La SAP a commencé au Congo-Brazzaville en 1910 par les premiers domestiques des Blancs, autant de moyens Congo, avant l'indépendance du Congo-Brazzaville. Attends, en ce temps-là, les tenues vestimentaires, c'était des kakis, des casques coloniales, des culottes. Le Congolais de Brazzaville dépasse les Européens. Bien dit. Faux ou vrai? Oui, c'est vrai. Le Congolais a toujours eu le concept du vestimentaire. Même si la mère, c'est le meilleur sapeur. C'est ça, c'est le meilleur. Justement. Comprends ce mot. Ça, je l'accepte. Dans le temps. Ça, je l'accepte. Tu peux te citer le nom de Tabazo, le Diable Tabazo. En 1982, il a fait succès avec les tissus de Takeo qui poussent. C'est des pantalons qui portaient 24 plis. Même Jésus-Christ, quand il est arrivé, qu'est-ce qu'il avait mis? C'est du fin lin. C'est du fin lin. Donc, c'est. Vous dites que la sape, on a reconnu. Parce que le Congo Brazzaville est le berceau de l'humanité, de l'Afrique, de la SAP en Afrique. La SAP au Congo, c'est l'art de vivre. Dans la SAP, c'est la paix. Dans la SAP, il n'y a pas la guerre. Donc dans la SAP, il n'y a pas de frontières. C'est une culture d'ambiance. C'est une culture qui sert à unifier les peuples. Nous sommes au cœur de Brazzaville, Poto-Poto. C'est mon village, c'est mon tribu, c'est là où je suis né. Je m'appelle Boukazi Kouka Chiralin, alias Pharaon. Je suis catcheur congolais. Au catch, il y a des catcheurs féticheurs et il y a des catcheurs techniciens. Des catcheurs techniciens qui jouent avec technique et tactique. Des catcheurs féticheurs qui jouent avec des fétiches. Je suis catcheur féticheur, magicien. Je m'appelle Sylvestre Mangwanza, responsable de l'école de peinture de Poto-Poto. Aujourd'hui, l'école de peinture de Poto-Poto fait une fierté de la culture congolaise. Un peuple sans culture, c'est comme un peuple qui n'a pas d'âme. Sinon, les Africains en général commencent à apprécier ce qu'on appelle l'objet d'art, la peinture, la sculpture, et surtout la musique. Donc nous allons représenter cette culture pour montrer que le Congolais, au Congo, il y a une vie culturelle.